سعادة سفير، بعد هذا الترحيب الحار حبينا نتعرفوا أكثر على العادات والتقاليد الخاصة في كوت ديفوار، مثلا عادة الأعراس، العادات اللي متواجدة في كل بيت وفي كل مناسبة خاصة يحتفل بها الشعب الإيفواري. Non, je disais que dans les traditions régionales, il y a la tradition de la fête de l'igname. De l'igname. Donc, chez les peuples Akan, qui sont au centre et à l'est de la Côte d'Ivoire. L'igname est la nourriture principale de cette région. Et donc, toute la vie sociale et culturelle est organisée autour de la saison de l'igname. La tradition veut que lorsque l'igname est mûr, parce que la saison de la récolte de l'igname est arrivée, tant que les chefs de communauté, tant que le roi n'a pas donné l'ordre d'en manger, les familles, les populations n'ont pas encore droit de manger. Donc la fête de l'igname, c'est la fête des primeurs, dont le nouveau igname est cueilli, présenté au cours d'une cérémonie où le roi, après en avoir goûté avec les notables et tout le rituel qui va avec, ouvre alors solennellement la saison. D'accord. Et ça donne lieu à des retrouvailles, ça donne lieu à des réjouissances, ça donne lieu aussi à toute une vie sociale et économique. Tous les cadres, les ministres, les présidents, de toutes les conditions, en ce moment-là, ils abandonnent tous leurs titres. Ils avaient tous leurs titres modernes pour se retrouver comme simple membre de leur communauté, comme simple membre de leur famille. سعادة السفير، وقتاش يكون موسم هذا المهرجان اللي تسموه انتم النيام؟ لا بيريود دو سو. Alors cette fête de l'igname a lieu en mars-avril. Mars-avril. Voilà, ce qui correspond dans le calendrier chrétien à la période de Pâques. Et d'ailleurs, pour cette raison, en Côte d'Ivoire, la Pâque se dit Pâquinou. Parce que les Akans disent Pâquinou. Ils disent Pâquinou. Et donc, à cette période, si vous avez un employé ou une employée qui est Akan, n'attendez pas, accordez-lui la permission, sinon il ne viendra pas au travail.